Madagascar, on est vraiment un peuple spécial. On a des débats spéciaux. On dit malakas, mais non, pas malakas. On a des chansons spéciales. C'est quoi ça? Des fois, t'as vraiment envie de dire, mais c'est quoi le trip? Tu es malakas et tu ne connais pas le trip? C'est le tsnenoub. Mais le troisième truc spécial et le plus fascinant de tous, ce sont nos compliments. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à analyser nos compliments? Bertrand, mais j'ai envie de dire, mais t'as été mais exceptionnel quoi, son sas. Au-dessus de toi, il y a le soleil, mon petit bébé. Charlie. Oh my god, you were just amazing. Wonderful. Et là, tu type, ça te n'a mieux que type là. Mais le pire, c'est que ce compliment, il marche. Quand vous aimez mes vidéos et que vous mettez vidéo à l'alti taïbé dans ma tête, moi je suis comme ça. Même si on est tous d'accord à dire que ce mec ressemble plus à TF qu'à moi. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ce compliment, il est fait pour rester à Madagascar entre nous. Je peux enfin annoncer que j'ai pu venir à bout de mon cancer, de mon Alzheimer et de mon hypersensibilité aux insultes. J'aimerais remercier toutes les personnes de ce club, car c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux sourire. Vraiment, merci. Philippe. Merci. On est fier de toi. Tu es vraiment une grosse merde. Je suis une grosse merde. C'est ce que maman me disait toujours. Tu es même un mélange de caca et de pipi. Mais quelle honte. Je l'ai expliqué dans une vidéo en 2017 que j'avais faite. Avant j'étais une merde en malagas. Mais maintenant je maîtrise de ouf, donc calme-toi. Parce que je te vois venir sur ton clavier, tu es prêt à écrire malagas. Et gros con comme j'étais, je crasais les cours de malagas pour aller à Virtual Game avec les potes. Bravo de patriotisme, franchement t'es vraiment un enculé. Pour jouer à PES 9 comme des gros cons. PES 9, Barcelone, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Messi. Maintenant que j'ai 25 ans, je me rends compte que j'étais vraiment con. Enfin là, y a les PES, n'a des années. Ce qui fait que des expressions malagas basiques m'ont échappé. Une anecdote qui est vraie, il y a quelques années, ma soeur, elle a eu un gosse. Quand j'ai montré la photo du bébé à un de mes meilleurs potes, il m'a dit un truc qui m'a marqué à vie. Et le pire, c'est que c'est un indien, donc je l'ai pas très bien pris, tu vois. Après, en appelant ma soeur hyper énervée, qu'elle m'a expliqué qu'en fait, bah, c'est un compliment. Apparemment, ça veut dire que le bébé, il est mignon. Je connaissais que Massis. Et encore une fois, dans le cas de ces deux expressions, Alikalikakel et Massis, tu peux toujours pas les utiliser dans les autres pays francophones. Asso, c'est votre fils? Ah oui, lui, c'est mon tout premier fils. J'en suis très fier. C'est vraiment un petit chien-chien. Et il pue. Chérie, va me chercher mon flingue et appelle la police. Ah bah faut comprendre que pour eux c'est exactement comme si tu faisais... C'est pour qui le nonos? Allez, hip. Je t'ai aussi ramené du croquette. C'est pour le petit chien jusqu'à 10 kilos. Et oui, vous l'aurez compris, chez nous parfois le fait d'associer un être humain à un chien, c'est parfois le plus beau des compliments. Mais pas tout le temps. Bah non, on a nos subtilités frère. Si c'était aussi facile, tout le monde parlerait le malagas. Il est très important de signifier que chien n'est pas forcément un compliment en Madagascar. Parce que parfois, chez les touristes, ça peut prêter à confusion. Manaona, vous allez bien? Tenzin, comment le Nambo Araz, tu? Les Nambo? Ça veut dire quoi? Mes ancêtres sont des chiens. Mes ancêtres sont des chiens? Ah, vous voulez donc dire que mes ancêtres sont mignons? Franchement, je suis flatté. Et Vongo Kipmasteti? Ah oui, ça, Madagascar, je connais bien. Je connais Madagascar. Parce que vous avez été gentil avec moi, ça, c'est 60 centimes. Voilà. Manala Vania, Benovatis, vol. Alors, vous venez? Ah, un câlin? Oui. Non, j'adore ça. Allez, vous faites des bises. Vous êtes très gentil et les Nambo Arazan à vous aussi. Allez, bonne journée hein.
Comment faire une vidéo sur les compliments sans vous remercier vous qui avez été là depuis 2013 et les nouveaux venus qui sont arrivés depuis quelques temps. Depuis mon dernier clip, j'ai mis un peu de temps parce que je cherchais mes sponsorings et aujourd'hui je suis sponsorisé par la marque Easy. Je vous parlerai de cette marque dans d'autres vidéos. Bah ouais les mecs, je suis sponsorisé aussi, j'ai 25 ans frère, j'ai un gosse à faire vivre. Bah oui, ce gosse c'est moi. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Si vous connaissez d'autres compliments un petit peu marrants, vous les mettez en commentaire. Et celui qui aura le plus de réactions, je lui ferai une petite dédicace en début de vidéo sur la story time avec Observateur et Ben. C'est la première fois que je fais un jeu et tout. Je tiens à remercier mes deux meilleurs potes d'avoir participé à cette vidéo. Arèche que je connais depuis 10 ans, j'ai déjà été en coloc avec lui. Et Alan qui est mon voisin depuis que je suis né et que je côtoie depuis l'âge de 5 ans. Tout ça pour vous dire que les gens qui sont proches de moi, ce sont des gens qui ne sont pas de la même ethnie que moi. Ma copine vient de Majenga, son grand-père était un pur chinois. Le message c'est que tu ne peux pas détester quelqu'un juste pour son origine ou son ethnie. Déteste-le parce qu'il t'a volé ton yaourt, ta voiture ou qu'il a violé ta grand-mère. Mais pas juste parce qu'il est karan ou chinois ou côtier ou merde. Être uni c'est justement accepter les différences de chacun et vivre ensemble. Ces différences font notre richesse, c'est pour ça que j'ai mis ce suite. Nous avons une diversité incroyable et des différences incroyables, mais nous sommes capables de nous aimer. On l'a prouvé pendant la CAN. Il n'y a pas de cette origine est mauvaise, il n'y a pas de cette ethnie est mauvaise. Il y a des bons et des mauvais partout, les mecs. Concentrons-nous sur chacune des personnes plutôt que de généraliser. Moi, si tu vois cette vidéo et que tu me trouves drôle, je t'aime. Moi, c'est tout ce que j'ai à savoir, je m'en fous. D'habitude, ce sujet sur les origines et sur les ethnies, c'est tabou au Madagascar. Mais moi, c'est pas pour rien que la page, elle s'appelle Aaron en parle, ok? Ma page, elle s'appelle pas Aaron en parle, mais ça dépend du sujet. Si c'est trop sensible, j'en parle pas trop. Moi, j'en parle des sujets. Okay. Aujourd'hui les mecs on a des Vazamten Gas, on a des Gasamten Vaza, on a des Gasamten Gas, on a des Gasmanovaremnan, on a des Elodie Arnoux. Tout ça nous prouve qu'aujourd'hui on n'a vraiment plus à avoir aucune barrière, ni de langue, ni d'origine, ni quoi que ce soit. On fait tous l'effort de faire de belles choses pour vous divertir, c'est pour vous. Et je suis vraiment content que certains soient assez ouverts d'esprit pour apprécier le contenu qu'on vous fournit. Merci d'être de ceux qui font sauter les barrières de langue et d'origine et d'ethnie, etc. Merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Si t'en fais partie, partage cette vidéo au maximum s'il te plaît. Bref, c'était un très long message. On se dit à la semaine prochaine pour la vidéo avec Observateur et Ben. Gardez la pêche. Kuba manga SP, c'est les vitamines C. Tu ris 7 jours sur 7. On le mange. Vive les sous-estimés. C'est nous. Niquez tes pronostics. On l'a fait. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. On l'a fait. Niquez tes Burundais. Niquez tes Burundais.